Bonjour mes soeurs, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Je voulais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma palle. Il y en a quand même pas mal. Sur ce que je veux dire, il y en a que vous avez peut-être déjà vu. Parce que j'ai mis ceux le petit colis, je les ai mis dedans. Voilà. Du coup, on va faire juillet et août. Voilà. Celui-là, je crois que je vous les ai déjà montrés. En vlog, ça je suis sûre. Mais je sais pas si je vous l'ai montré. Celui-là est arrivé dans mon truc. Hortpère Grull. Je ne saurais pas vous dire qui sont ces autres filles. De Solane Cat. Je sais juste que c'est un FF. J'en sais pas plus. On va suivre Louise à 19 ans. Et sort du lycée. Elle ne sait pas quoi faire de sa vie, mais a un rêve d'être romancière. Le problème, elle n'est jamais tombée amoureuse pour Primobilité. Ouais, elle veut écrire sur l'amour et il faut qu'elle tombe amoureuse pour écrire dessus. Du coup, voilà. Et c'est un FF pour ceux qui ne savent pas, c'est femme avec femme. Voilà, j'en veux pas savoir plus, j'ai envie de me plonger dedans. Sans en savoir plus. Je vais les mettre derrière parce que je n'aurai pas de place. Je me suis aussi procuré Preneur. Ça commence déjà mal cette vidéo. Je vous le dis. Je vous le dis. Et trop beau quand même. Honneur et préjugés de Mia Serinan. De chez Hugo. Dans la collection New Roman. Enfin, dans Poche. Poche, Rico Poche, j'aime bien les poches. Celui-ci, non, je ne sais plus non plus ce que ça parle, mais voilà. Il était deux frères jumeaux, il les aimait tous les deux, mais un âme apparaît un seul. Anna Lia n'a jamais aimé pression. Non, son fit ouvrir. Un Mexicain élève des milieux cabane du centre de Valéon. Elle découvre que cette terre californienne, librairie d'un grand espace auprès des frères Soway et la ferme voisine qui étaient ses seuls amis. Je ne sais pas plus, j'ai pas envie d'en découvrir plus, mais il me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aimerais bien lire bientôt celui-là. Après, je me suis procuré sur Belgique Loisirs. Grimaldi, Les Possibles. Du coup, c'est Belgique Loisirs, mais je ne sais plus à quelle collection c'est sorti. Je ne saurais pas vous dire. Moi, c'est la collection Belgique Loisirs. Du coup, vous avez comme ceci. Bon, on va retirer le bandeau. Hop, comme ça vous allez voir le petit visage correctement. Vous avez un rabat avec Virginie Grimaldi. Dedans, vous avez un petit décor. Trop beau. Voilà. Et après, je pense qu'il n'y a rien de spécial dedans. Non. Et derrière, il y a le même. Voilà. J'en sais pas plus sur celui-là et j'ai vraiment pas envie parce que j'aime bien me plonger parfois trop sans savoir. Puis c'est pas trop mon genre de lecture, du coup voilà. J'ai aussi Belgique Loisirs, je me suis procuré celui-ci. Chez Piment Rose de Intination de Maddy Fleurn. Voilà, le tome 1. Avec lui, elle risque de prendre goût à l'interdit. Du coup, quand t'entends ça, j'aime bien. Quel interdit va prendre? Ça me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup ce livre. Voilà, voilà, voilà. C'est vrai que je vous fais pas beaucoup de résumés, mais n'hésitez pas à aller les retrouver. Il y a moyen. Du coup, il y a celui-ci, Amy Roll, aux éditions Addictives de Anita Gren, je sais pas comment ça se prononce. Les torse-poils, voilà. Je viens de le terminer. Il est approuvé, lu. Du coup, un qui est rentré et qui sort aussi vite de ma palle. Et c'est encore mieux, ça. Enfin, ça devrait être comme ça tout le temps, mais voilà.
beaucoup beaucoup aimé. Ici, on va suivre deux personnages féminines, c'est Rose et lui, c'est Talion. Deux personnages qui se détestent, mais il y a une petite truc qui vont se relier ensemble. Voilà, il faut le lire absolument, absolument. Mais il faut lire. Je vous le montre. Voilà, j'avais pris, ça tombe bien. C'est un. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est pas que j'ai fait une connerie. En même temps que. Ah! Merde, j'ai fait une connerie. Voilà, attendez, je reviens deux secondes. En fait, je suis occupée à mettre une vidéo en même temps que je vous parle, du coup, voilà. Moi, j'ai lu celui-là, mais de base, c'est. Ça se lit indépendamment. Mais le mieux, c'est de lire. No Role de Addictive de la même autrice. C'est un peu plus gros que celui-ci. En fait, il faut lire celui-ci et puis celui-là pour mieux comprendre. Mais moi, j'ai bien compris de ne pas avoir lu celui-là. Il est rentré, mais pas encore lu. Du coup, voilà. Je vais attendre un petit peu avant de me plonger dans celui-là. Du coup, voilà pour. Parce que ici, je ne sais pas. Ici, ils sont à lycée, et là, je ne sais pas. Cette histoire fait partie de celles qui ont fait changer. Non, c'est pas ça que je voulais. C'est au cap jusqu'à la dernière page de Non Rule, sa première romance, une édition addictive et plongée au cœur d'un groupe. Sulfureuse des personnages caractériels et esplanés. Résiste pas. Papilitation, n'attendez plus pour rejoindre l'honneur. De côté des milieux, lecture a déjà accompli. Millions de lecteurs ont déjà accompli. Celui-là me tente bien aussi. Voilà. J'aime mieux cette couverture que celui-là, mais voilà. Celui-là sera lu. Fera lire bientôt aussi, mais je pense pas lire tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà. Ça, c'est un livre que j'ai pas eu très cher. J'ai eu pour 6,95€ à l'Est. Ouais, de Cathy Truc aux éditions Pocket Hugo Roman. Dans cet univers glacé, parviendra-t-elle à réchauffer son cœur? Voilà. J'en sais pas plus. Je sais qu'elle va partir, si je me dis pas de bêtises. Oh, l'Alaska. Je suis biaise, mais en plus. Et voilà. Et il va voir quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et j'en veux pas savoir plus. J'aime bien me plonger. Quand j'ai. Comment non? Quand j'ai lu une fois, j'ai vraiment pas envie de me replonger dedans. Parce que voilà, j'aime bien de plus penser. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis pris aussi By B Crutch de Lou et Versi. Merci, je sais pas. De chez Addictive aussi. C'est dans la collection poche. C'est écrit tout petit. Ça, c'est ce que j'aime pas trop chez les poches. Excusez-moi, mais je tousse dans toutes les vidéos. Voilà. Ils me tentent bien. Craquons pour un baby du lycée hors de question. Célinan. Est sexy, séduisant, sombreur et sûr de lui. Toutes les filles du lycée craquent pour lui. Et il ne se gâche pas pour en profiter. Tout sauf Aliasnia, surmontée la reine de glace. Elle se fout de l'amour et de les hommes que le vent. Et les promesses dans cœur brisé. Selon elle, rien ni personne ne fera changer son avis. Elle envoie des boules de audacieux d'une pique ou bien sacrifiée. Il en faut beaucoup pour découvrir Célinia. Plus Alaska réside et pour plus. Plus d'elle indique l'interdit en plus il le faut, il le comprend bien avoir. Je lis, mais j'ai le reflet à chaque fois et ça m'ennuie. Voilà, ça me tente bien aussi.
Alors, dans le petit colis, j'ai reçu le tome 2, que j'ai le tome 1 dans ma palle, que j'ai toujours pas lu, que j'avais aussi reçu le petit colis. C'est Perfluck, Addictive, de Claudine Tain, au livre de poche. Je vais pas lire le tome 2, parce que j'ai pas envie de me spoiler le tome 1. Du coup, voilà. Ce que j'ai aussi reçu dans la box, c'est Virginie Grenady et Que ne durent que les moments doux de chez le livre de poche. Voilà. J'en sais pas plus non plus. J'ai lu, je pense, le jour que j'ai ouvert le colis, mais d'une vie. D'elle vient de donner naissance à sa petite fille arrivée très tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. L'autre vient de voir ses grands enfants quitter le nid et son fils laisse un vide imaginable, mais aussi son chien Ferfulu. L'un doit apprendre à être mère à temps plein. L'autre doit apprendre à être mère à la retraite. Une histoire universelle, en ce moment qui font basculer la vie, de ce vague d'émotions qui balancent tout sur leur passage, et de rencontres indélibérées qui changera le destin. Voilà pour celui-là. Il me tente un peu moins celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, je ne sais pas. Mais deux livres de Grimaldi. Bon, j'arriverai. Deux livres de Grimaldi Déchéri dans ma palle qui a apparu. Parce que j'en ai déjà d'elle que j'ai pas encore lu. Un truc que je me suis trompée en commandant. Je me suis commandé Les Vampires de Chicago de Chloé Nel. C'est un bitlit dans la collection Melody. Ouais, c'est ça, Bitlit. J'ai voulu tomber le j'ai voulu commencer commander le tome 1. J'ai commandé le, je sais pas si vous allez voir, le 7. Qui a fait une erreur? Ben moi. Du coup, je vais pas lire le résumé, mais ça me tombe bien. Et c'est sur Livradic que quelqu'un m'a donné envie de le lire. Du coup, voilà. Après, j'ai deux. Enfin, on est presque à la fin. Ça diminue. Il y a Tree Baby de chez Hugo dans la collection New Romance de Louis Marceau. Je sais juste que on va suivre deux personnages. Le personnage masculin joue de la musique. Le personnage fille est, je crois que c'est docteur, un truc comme ça. Chirurgienne brillante. Habite à se battre pour réussir. Et il va y avoir une romance entre les deux. Et c'est celui qui me donne très 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 envie. Et je pense que quand j'aurai fini ma lecture, c'est dans celui-là. Enfin, j'ai un doute quand même de me plonger dans celui-là. Voilà. Parce que j'ai envie de le plonger, mais il y a d'autres qui me tentent bien aussi. Après, un autre qui sort de ma zone de confort aussi. Sati Beglo. Je vais aller me coucher. Excusez-moi, mais je suis fatiguée. Pourtant, il est 1 h et voilà. Starry Glow, voilà. De Toby NC Machi de chez Pocket Jeunesse. Reste cool, reste fort, reste nous. Je sais juste que le personnage qu'on va suivre, qui est Poppy. Ah ouais, je vais lire le truc, ce sera plus facile. Alors qu'il rentre dans un nouveau lycée, Poppy est bien décidée à passer incognito. Dans son ancien lycée, Poppy était le seul élève trans. Lassé d'être le centre de l'attention, il décide de ne rien dire à ses nouveaux camarades, mais il n'avait pas prévu de tomber amoureux. Celui-là me tente bien aussi de le lire. Quand Poppy rencontre Galoria, Popham Girl, à la repartie d'enfer, son cœur s'emballe tandis qu'il se rapproche
de Poppy quand il va devoir être honnête avec elle et lui parler de son passé. Comme Geronita va-t-elle réagir? Comprendra-t-elle pourquoi il cache la vérité? Une comédie romantique est pleine de pourquoi de une comédie romantique pleine de cœur sur le sujet important. Du coup, ça me tentait bien. On n'en voit pas souvent pour enfin. Il n'y a pas longtemps, je suis dans les lectures, mais pour moi, on n'en voit pas souvent qu'on parle trans. Voilà. Du coup, il me tente bien. Après, il m'en reste trois à vous présenter. Je vais vous présenter trois, enfin deux petits et un gros pavé. Du coup, j'ai été en France et je me suis procuré ceci. Je ne sais pas si je vais le lire ou si je vais le prêter à mon ami, mais je pense que je vais lui prêter si ça lui dit. Par contre, je ne vais pas vous dire tous les auteurs parce que voilà tous les auteurs. Voilà. Du coup, c'est Storia. Droit d'envers à l'association d'Ella pour soutenir ses enfants malades. 13 auteurs de thrillers engagés pour Ella. Du coup, je voulais envie de faire un petit don voilà, en achetant le livre de chez Hugo sur la suspension, dans la collection Suspension, je pense. Voilà. Et derrière, si pour vous dire, c'est un peu horreur, mais je pense pas que je vais le lire. Enfin, je vais peut-être essayer une page ou deux parce que c'est vraiment 4 pages. J'ai vu tant. Oui, vous avez au début des chapitres poursuivre. Voilà. Bon, prologue, on s'en fout. Ouais, vous avez peut-être une dizaine de pages. Ouais, attends. Oh, on va aller déjà directement. Voilà. La fille aux allumettes. Il fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, allez, 8 pages. Il fait 8 pages et puis voilà, à chaque fois, vous avez peut-être 8 pages d'horreur. Du coup, voilà. Bon, je vais lire pour, la quatrième de couverture. Blanche-Neige à Amsterdam, Pinocchio à Los Angeles, le petit chapeau rouge à Paris, boucle d'or qui tombe en panne là où il aurait mieux fait de ne jamais s'arrêter, le petit bonhomme de pain d'épices en toile à sa serait-il trop gourmand, mais aussi Peau-d'âme, Saint-Nicolas, Poussette, Cendrillon et beaucoup d'autres, des 17 auteurs de thrillers détournés dans un conte de fées, ces légendaires et des mystérieux de notre enfance en profitant de l'association Ella, nouvelle édition, droit réservé aux associations Ella pour que accompagner, les soutenir, les enfants en termes de je sais pas quoi, parce que l'étiquette est dessus. C'est toujours comme ça. J'essaie de retirer l'étiquette. De la oh là là, trop. Je vais vous le montrer, le dernier mot là. De l'ostrobistaropie. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas essayer. C'est écrit comme ceci si vous voulez. Bon, comme c'est une association, pourquoi pas. Et je vais voir si ma chère amie lui intéresse de le lire. Même si pour le moment, elle ne le lit pas beaucoup. Mais voilà. Après, pour les deux derniers, celui-là, ça fait longtemps qu'il me donne très envie de le prendre, mais je ne le prends pas. Et je me dis, c'est pas grave, je vais attendre, il va sortir en poche, je me prendrai en poche. À la place de 17, il serait moins cher. Et ceux-là, je les ai pris en France. Normalement, chez nous, on aurait dû payer 8,50 et ici, j'ai payé 8,08 euros. Voilà, j'ai...
Allez. Moins 40 et des euros. 42. Un truc comme ça. Je ne sais plus compter. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Skladak de LG Sloane. Aux éditions Hugo Poche dans la collection New Romance. Et je ne sais plus de quoi ça parle. Et ces étiquettes me cassent les bonbons. Je vous le dis, moi. L'école, toujours partout. Pas tout. C'est chiant. Oh, du coup, Jude. Jude. Judas. Judy. Jude. Un grand ennemi. Non seulement elle doit trouver très vite un emploi qui lui permettra de payer les frais médicaux de son père qui souffre d'un cancer, mais elle a commis une grosse erreur après la nuit folle avec celui qu'elle a cru être un touriste français. Elle est partie au petit matin, n'apportant avec elle le portefeuille bien garni. Elle n'est pas très fière d'être devenue voleuse. Mais Célina semble très insiste et il va rentrer chez lui. Elle a peur de changer de le revoir. Judith a pourtant très désagréable surprise en découvrant qu'elle travaille au poste émis dans le groupe de presse qui elle a intergé. Non seulement elle va devoir assimiler le vol, mais alchimité fabuleusement qu'elle aille partager avec Célina et encore la vibrante. Elle a toujours rêvé d'être journaliste. Elle a besoin de cet emploi pour travailler. Comment travailler avec Célina sans sombrer dans le scandale? Une lésion brûlante est au bureau. Un romance psycholoquitique. Oh là, je ne sais plus lire, je fais. Et le dernier, qui est pas le moindre de tout ça. Oh punaise, celui-là, il me fait trop envie, mais il est pesant. Et je ne sais pas si je vais. Lune au pouvoir. Pour être l'intégrale de Laetitia Danal. Voilà. Du coup, si je me dis pas de bêtises, c'est trois. Il y en a trois dedans. C'est trois gros bazars. L'intégrale de l'interdit a servi et embrasé. Un jour, on m'a dit que je pourrais imperter qui grandissait en moi ne pouvait plus être caché. Pour le bien de tous, en espérant pour moi devenir être infime. On va suivre Letty, la fille du paysan, vit au Austrasien, dans un village reculé, ongé par les superstitions de culture de division. Je ne sais pas trop, j'ai vraiment pas envie, mais j'adore cette couverture. Vous voyez les petits loups là, elle est trop belle. Plein de petits détails dans cette couverture, les montagnes. Voilà. Mais c'est chez Belgique Loisir. Pour ceux qui sont en France, je sais que chez Belgique. Comment c'est vous? Non, c'est France. France Loisir pour vous, je pense que c'est ça. Il est aussi. Voilà. Et moi, je l'ai eu gratuit. Voilà. Du coup, c'est encore mieux. Trois bouquins en un gratuit. Que demander plus, voilà. Et par contre, il est fluffy comme vous pouvez voir. On peut mal de casser le dos de la couverture fluffy. Et mais le feuille me fait, les feuilles sont très très fins. Je sais pas si vous allez voir, mais très 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 fin. Le peu que j'ai fait, j'ai déjà suivi la feuille quoi. Voilà. C'est la fantaisie. C'est de la fantaisie pour celui-ci. Voilà.
qui est toujours pas mon univers, mais j'ai envie de me le lire. Mais je voudrais bien refaire un truc comme ça. Pour ceux qui iront jusque la fin de cette vidéo, pour ceux qui savent, ne le dites pas, mais ceux qui ne savent pas, allez, plus ou moins, il y a combien de pages? Je vous réponds dans les commentaires. Combien de pages pour ce intégral? Moi, je vous dis, mettez pas trop, enfin, mettez gros, mais pas trop gros. Voilà, une base. Dites-moi en commentaire combien pour vous il y a de pages dans cette intégrale. Voilà, et je vous répondrai en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira, mes petits achats de juillet-août. Voilà, dites-moi en commentaire lequel que vous avez déjà lu ou celui qui vous donne envie de vous procurer, même si je ne vous ai pas fait beaucoup de résumés intéressants, je trouve. Voilà. Avec mes blabla, je parle trop vite, il me semble. Il faut que je me calme. Mon stress remonte à 100% quand je veux vous parler. Voilà, je veux bien faire et du coup, je fais mal. Voilà, j'espère que ça vous ira quand même. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter et mettre plein de pouces bleus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.